qu'est-ce qui se passe là? Dan, bah, la voiture là? Je crois qu'elle est en panne. Bah tu devais pas l'emmener au garage? Bah je devais l'emmener au garage, mais j'ai pas du tout. Alors il me faut des thunes pour l'emmener au garage, hein. T'es marrant toi. Putain, y a un truc qui a bougé là. Bonjour, bienvenue à ton émission littéraire, le menu du jour de Necroland. Je vais commencer cette émission sans mes deux compères, je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder. Je t'invite cependant, avant de continuer cette émission, de relire quelques livres. On ne sait jamais, si tu écoutes cette émission sans entraînement, tu risques d'avoir peut-être un accident, de te faire très mal ou d'entrer en PLS. Le roman d'aujourd'hui s'appelle Cujo. Il a été écrit par Stephen King en 1981. Cujo a été adapté au cinéma par Lewis Twigg en 1983. Au générique de ce film, tu vas retrouver dans le rôle de Donna, la maman d'E.T., enfin celle de Elliot dans E.T., hein, pas la vraie mère d'E.T., à savoir Dee Wallace. Dans le rôle de Tad, le sale gosse Danny Pintoro, que tu retrouveras par la suite dans Madame et Servie, toujours aussi sale gosse d'ailleurs. Et dans le rôle de son amant, celui de Donna, hein, pas de Tad, hein, tu as Christopher Stone, le mari dans la vie de Dee Wallace. Je te l'ai dit au départ de notre émission littéraire, il faut vraiment de l'entraînement, sinon tu risques d'être perdu. Bon, par contre là, il y a un truc qui me saoule, les tétards, ils sont pas encore là, donc je vais les appeler, je commence à m'inquiéter. Ouais, bon, les branleurs, vous faites quoi là? Bah nous attend pas, on est bloqué, on est tombé en panne, il y a un putain d'ours qui nous empêche de sortir de la voiture. Bah c'est pas un ours, c'est le gros chien, là, comme dans la musique classique, là, Schubert. Schubert, n'importe quoi, Schubert c'est une truite. Bah je sais que c'est une truite, mais truite là Schubert. C'est un chien. Non, Cyril, si c'est le chien Mozart, ouais c'est ça, c'est Mozart. Putain, mais tu me parles de Beethoven, mais... Non, vas-y, passe-moi Dan, passe-moi Dan. Ouais, tiens, le vieux veut te parler. Montre. Ouais. Putain, mais bande de connards, c'est comme le chien, comme dans Cujo. Ah bah je sais pas, j'ai pas vu le film. T'as vu Cujo? Attends, tu veux que je te le montre Cujo? Il dit quoi le vieux? Bah j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il a dit « monte ton cul, Jo ». Hein? Ah putain, c'est pas possible ça. Ça devient vraiment le grand n'importe quoi cette émission. Mais bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a fait et c'est peut-être pour ça aussi que tu la regardes. Donc Cujo, ça parle de quoi? Tu as un couple qui est en train d'exploser, la femme qui a un amant, le mari qui a un boulot de merde et un gamin qui est insupportable. Le petit garage du coin a un gros chien, un kleps, un Saint-Bernard qui attrape la rage et après avoir explosé et bouffé la totalité de ses maîtres, la mère du couple et de son enfant vont se retrouver en panne de voiture dans ce même garage avec le chien qui va se prendre pour les dents de la mère. La voiture ainsi que ses occupants vont devenir la cible d'attaques incessantes venant du méchant toutou. Comment te dire, le film est assez violent et tu te demandes même si par moment le gamin n'a pas été profondément traumatisé par les scènes qu'il a dû tourner avec le chien. Tu as compris, on est dans du pur Stephen King. L'horreur éclate dans le quotidien. Mais qu'est-ce qui fait qu'un bouquin de Stephen King est une bonne adaptation en film? La question se pose vraiment, tu as pu voir des dizaines et des dizaines d'adaptations cinématographiques ou télévisuelles de romans de Stephen King avec un résultat plus ou moins bon ou plus ou moins lamentable. Dans les bonnes adaptations, tu vas trouver Stand By Me, Les Évadés, Misery, Carrie, Cimetière, Dolores Claiborne, allez, et Dead Zone, entre autres, ça te fait déjà une bonne petite base pour commencer. Parmi les très mauvaises adaptations, tu vas trouver le super, super mauvais Les Langoliers, le mauvais Charlie, le super nanar avec Schwarzenegger, Running Man,
Peur bleue avec un loup-garou qui te fouille le trisomètre, mais pas du tout à zéro. Et Maximum Overdrive, réalisé par le maître en personne. Je ne te parlerai pas non plus de Hit, ça en français, hein, si t'as pas trop étudié, et de ces deux adaptations que tu as certainement vues et dont tout le monde a une opinion différente, genre c'était bien mieux avant ou le remake était meilleur. Ça, on s'en fout, c'est pas le sujet aujourd'hui. Nous, notre sujet, reprenons avec Cujo. Dans ce cas, le film et le livre sont opposés. Ils commencent et se terminent différemment. Cependant, le fond est le même, mais comme dans tout bouquin de Stephen King, on est témoin à une destruction familiale. Dans le livre, on assiste à une série d'événements dont la famille est la principale responsable, avec toujours le chien qui veut bouffer tout le monde. Je te vois venir en me disant que dans le film et le livre, Cujo meurt de la rage. Bah oui, faut pas être con, hein. Si t'as la rage et que tu te soignes pas, bah, et tu cannes, c'est pas franchement une surprise. Cependant, le traitement de la fin sera différent. Dans le film, nous sommes soulagés car le monstre meurt à la fin, clac. Fini, l'histoire se termine. Dans le livre, Stephen King terminera par ces mots. Attends, je vais mettre mes lunettes de lecture. Si tu permets. Excuse-moi, c'est l'âge. Je me suis assez fait vanner par les deux gros cons. Peu après les événements tragiques qui s'étaient déroulés dans le jardin des Camber, on brûla les restes de Cujo. Les cendres partirent avec les ordures à l'usine de traitement des déchets à Augusta. Il ne serait peut-être pas mal à propos de rappeler que Cujo avait toujours essayé d'être un bon chien. Il avait toute sa vie tenté de faire ce que l'homme, la femme, et surtout le garçon, attendaient de lui. Il serait mort pour eux s'il l'avait fallu. Il n'avait jamais voulu tuer personne. Il avait simplement été manipulé par quelque chose, le sort, le destin ou peut-être une maladie détruisant les nerfs que l'on nomme la rage. Le chien n'était pas responsable. Là, tu vois, ben, si tu réussis à me transcrire ça dans un film, ben, t'es champion du monde. Car moi, franchement, je sais pas faire. Bon, voilà les filles. Mon duo de choc étant toujours pas arrivé, on va passer à la bande-annonce, en espérant qu'ils seront peut-être avec nous la prochaine fois. Voilà. Allez, ciao, ciao! There's no such thing as real monsters. I saw him, really. He has yellow eyes, and he has teeth, and he made sounds. What kind of sound? Did you fix it? No, I don't have the tools. Damn, it's cold. Take it out the Joe cameras. It's only 7 miles. We've arrived, Tatter. Yeah, but is anybody home? Hello? Cujo! Cujo? I can't get my dad off the seatbelt off. All right. You pull hard, push. Oh, I can't get it. Pull. Connerie de merde. Ah, merde. Il m'a mordu, putain. Il a mis la rage. J'ai vu sur internet. C'est comme les serpents, faut juste aller enlever le venin. Vas-y. Non, tu vas mourir. Non. Ah, si. Ah, si.